Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Amis de la Bible. Soyez bénis au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Sur ce plateau, nous recevons un homme de Dieu. Il s'agit bel et bien du pasteur Paul Richard Pandy. Avec cet homme de Dieu, nous allons parler d'un sujet. Il s'agit bien de les sept phénomènes fréquents dans nos rêves. Shalom, pasteur. Shalom, shalom à vous tous, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous croyons que vous serez édifiés et bénis au travers de ces partages. Oui, je vous signale également que le pasteur Paul Richard Pandy est le pasteur responsable du Centre international La Montagne des Transfigurations, un ministère des délivrances consacré aux signes apostoliques de réveil et à la démonstration de la puissance des dieux au travers les Saint-Esprit, pour une délivrance totale qui a son siège principal à Kinshasa, dans la commune de Kinshasa, bien sûr. De Barumbu. De Barumbu, voilà. Et pasteur, nous parlons, comme je venais de le dire, des sept phénomènes fréquents dans nos rêves. C'est d'ailleurs le titre d'un ouvrage que vous venez de publier, pour vous mettez à la disposition des enfants de Dieu. Nous allons y revenir, mais nous parlons d'abord des rêves et de ces sept phénomènes fréquents. Parlez-nous dans un premier temps, c'est quoi en fait un rêve? Un rêve, en fait, c'est l'ensemble des séquences, des images, quand l'homme est plongé dans l'inconscience. Parce que quand il s'agit des rêves, les facultés de l'homme ne fonctionnent pas. Tandis que la vision, la personne est consciente. Donc, là, vous faites la différence entre le rêve et la vision. Dans le rêve, la personne est dans l'état d'inconscience. Et dans cet état-là, la personne reçoit des images, des séquences, des scènes qui ont tout au moins une explication qu'on peut relier aux événements qui se passent dans sa vie. Donc les rêves ne viennent que quand on est dans un profond sommeil. Ouais, voilà. Oui, voilà. C'est pendant, la Bible même dit que pendant l'homme est dans un profond sommeil, c'est à ce moment-là que Dieu nous révèle ses pensées profondes. C'est à ce moment-là aussi que l'ennemi vient pour nous attaquer. Et vous avez fait la différence entre les rêves et la vision. La vision peut venir à tout moment. Oui, la vision, la personne est consciente comme ça. On peut parler comme ça, la personne voit. Donc dans la vision, les sens de l'homme fonctionnent normalement. Mais tandis que dans les rêves, l'homme est dans l'état d'inconscience. Donc on peut également mentir pendant la vision, parce que là on est en train de voir. On peut espérer ou on peut réfléchir, on peut penser des choses et puis ça vient, ça défile comme ça sur vos têtes. Oui, donc c'est pourquoi le prophète doit être un homme concentré. Quand il a des visions, il doit être concentré pour vraiment transmettre selon qu'il a vu de la part du Seigneur. Textuellement, oui. Ouais. Pour éviter des déformations. D'accord, pasteur. Pourquoi il nous arrive parfois d'oublier ces dons nous avons rêvés? Oui, je vais un peu revenir en arrière pour expliquer encore le rêve, parce que les rêves sont le moyen de révélation, les moyens par lesquels Dieu nous révèle ce qui se passe dans notre vie, dans le monde spirituel. Alors si nous ne rêvons pas, si nous oublions nos rêves, c'est très très dangereux. Nous sommes comme les aveugles spirituels. Nous ne savons pas ce qui se passe dans notre vie sur le plan spirituel, nous ne savons pas aussi capter le message de Dieu. Alors, il y a plusieurs causes qui amènent les gens à oublier leurs rêves. Il est important ou obligatoire pour un enfant de Dieu de rêver. Oui, bien sûr, parce que Dieu nous parle au travers des rêves. Si vous ne rêvez pas, donc vous ratez un moyen de communication de la part du Seigneur. Deuxième chose, les rêves nous montrent aussi ce qui se passe dans notre vie sur le plan spirituel. Imaginez un peu que vous ne rêvez pas. Ça veut dire que vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe dans votre vie sur le plan spirituel. Oui. Donc c'est vraiment très dangereux. D'autres ne rêvent pas du tout. Et d'autres n'arrivent pas à retenir leurs rêves. Et quand nous sommes entrés à profondeur, nous avons compris que c'était une attaque de l'ennemi Satan. Donc, pour la première catégorie, le diable les a rendus aveugles. Le diable ne veut pas que la personne soit au courant de ce qui se passe dans sa vie sur le plan spirituel. Parfois dans les rêves, Dieu peut nous avertir. Parfois dans les rêves, Dieu peut nous corriger. Parfois dans les rêves, nous pouvons être au courant des activités de l'ennemi sur nos vies. Imaginez un pays, une personne qui ne rêve pas. Cette personne est exposée aux attaques de l'ennemi Satan.
Maintenant, les raisons qui font en sorte que les gens ne puissent pas rêver ou retenir leurs rêves, premièrement, c'est les attaques de l'ennemi Satan. Qu'est-ce qui se passe? Quand une personne a les rêves, l'ennemi sait que la personne a l'information concernant ses activités. Au réveil, l'ennemi viendra effacer cela. L'ennemi efface cela pour que la personne ne soit pas au courant de ce qui se passe dans sa vie. Une autre chose, l'ennemi peut venir aussi voler les rêves. Il y a des gens, quand vous les racontez, ils disent, pasteur, j'ai rêvé. Mais je ne me souviens plus. Mais la personne est consciente qu'il avait rêvé. Mais c'est comme si une force est venue voler ces rêves-là. Ce qui est aussi très dangereux. Donc, au travers des rêves, nous avons des informations qui sont capitales, des informations que nous pouvons exploiter pour notre délivrance, pour la délivrance de ceux qui sont autour de nous. Mais l'ennemi vient nous attaquer pour voler nos rêves, pour effacer cela, afin que nous ne puissions pas connaître ses activités. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Donc, si vous ne rêvez pas, si vous n'arrivez pas à retenir ce qui se passe dans votre vie sur le plan spirituel, ça veut dire que vous êtes exposé aux attaques de l'ennemi Satan. Ça veut dire que vous êtes aveugle spirituellement. Vous ne pourrez pas recevoir les informations venant de Dieu. Vous ne pourrez pas aussi comprendre l'activité de l'ennemi Satan. N'oublions pas ceci. La Bible dit ceci. Pendant que les gens dorment, c'est en ce moment-là que l'ennemi vient pour attaquer. Et l'ennemi, quand il vient attaquer, il laisse certaines traces, certaines choses qui peuvent nous aider à détecter l'activité de l'ennemi Satan. Mais si vous n'avez pas ça, comment allez-vous expérimenter la délivrance? Comment allez-vous bien orienter vos prières? Y a-t-il un comportement à adopter en se réveillant pour que les rêves que nous avons eus pendant la nuit ne soient pas volés par le diable? Oui, il y a un comportement à adopter. Sur le plan spirituel d'abord, il faut avoir une vie de prière. Parce que quand vous n'avez pas une vie de prière, votre capacité spirituelle de vision, de voir les choses spirituelles sera comme ternie, sera comme faible. Alors, quand vous n'avez pas la vie de prière, c'est normal que vous ne puissiez pas retenir vos rêves. Il y en a avant de dormir, ils ne prient pas. Il y en a avant de dormir, ils ne prennent pas le temps de méditer la parole de Dieu. Donc, c'est des choses comme ça qui permettent à l'ennemi de nous attaquer. Une autre chose aussi, quand, par exemple, vous êtes rempli de soucis, des inquiétudes. Parce qu'il nous arrive parfois de prier avant de dormir, mais le matin, vous oubliez ce dont vous avez raison. Oui, donc nous disons que quand vous êtes rempli des inquiétudes, des soucis, alors, votre capacité de rêver sera affaibli et vous ne serez pas capable de retenir vos rêves. Mais il y a aussi des facteurs que j'appelle des facteurs naturels. Par exemple, quand vous dormez dans une mauvaise position ou quand vous avez moins de temps de repos, c'est normal qu'au réveil, vous puissiez oublier vos rêves ou que vous ne puissiez pas rêver. Retenir, oui. Quelles sont les conséquences alors pour les personnes qui oublient souvent les rêves en se réveillant? Les conséquences qui arrivent dans la vie de ces personnes? Première, il y a beaucoup de conséquences. Première conséquence, la personne sera exposée aux attaques. Vous savez, il y a des gens, je prends l'exemple d'une personne que j'ai reçue, qui rêvait souvent qu'il mangeait la nuit. Et un jour, il a rêvé qu'il avait mangé et il se réveille, il sent comme si quelque chose s'accroche à sa gorge. Il prend de l'eau. La chose ne veut pas partir. Descendre. Il prie un moment, la chose descend. Et il commence à avoir des brûlures dans l'estomac. Une personne qui n'arrive pas à retenir ses rêves sera victime des attaques de l'ennemi Satan. L'ennemi viendra l'introduire dans des alliances, dans des pactes qui ne sera pas conscient. Parce que dans l'inconscience, il y a beaucoup de choses qui se passent quand nous dormons. Il y a des mariages, il y a des gens qui signent des contrats. Quand nous dormons, il y a des gens qui sont initiés
quand nous dormons, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et alors, quand vous n'êtes pas conscient de ce qui se passe dans votre vie sur le plan spirituel, vous serez victime des attaques de l'ennemi Satan. Nous avons vu beaucoup de gens être détruits à cause du fait de ne pas rêver ou d'oublier les rêves. Deuxième conséquence, c'est l'aveuglement spirituel. Vous savez que nous sommes dans les combats spirituels. Dans Éphésiens 6, on nous dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Dans les combats, si tu es aveugle, tu seras victime. Parce que tu ne sauras pas comment esquiver les balles. Comment esquiver les coups. Si tu es aveugle, tu ne verras pas la direction. Tu vas tomber dans les trous. C'est pourquoi beaucoup de gens tombent dans les trous, tombent dans les pieds de l'ennemi Satan, parce qu'ils sont aveugles. Donc, il y a ce qu'on appelle l'aveuglement spirituel. Quelqu'un qui ne rêve pas, quelqu'un qui oublie ses rêves, pourra dîner avec ses ennemis. Il y a beaucoup de gens, vous êtes là, la personne que vous appelez votre meilleur ami, parfois, c'est la même personne qui est à la base de votre souffrance. Mais vous êtes aveugle, vous ne voyez pas. La personne que vous appelez votre père, biologique ou physique ou spirituel, mais c'est la personne qui est en train de vous oppresser, de vous bloquer la nuit. Mais comme vous êtes aveugle, vous ne voyez pas. Donc il y a l'aveuglement spirituel. Ce qui est une mauvaise chose. Donc un enfant de Dieu qui est aveugle spirituellement, ce n'est pas un bon combattant. Il ne saura pas bien combattre, il ne saura pas aussi bien se défendre. Donc qu'est-ce qu'il faut faire alors pour ne pas être aveugle spirituellement? Donc il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier pour que Dieu t'ouvre les yeux spirituels. Pour que Dieu restaure ta capacité de vision, ta capacité de rétention de rêves. Parce que les rêves, c'est comme un tableau de bord. Vous savez, madame, quand vous conduisez, il y a le tableau de bord qui est là. Le tableau de bord vous indique si le véhicule est en bon état ou pas. Peut-être ça peut être que l'huile, c'est déjà terminé. Ça peut être qu'il n'y a plus de carburant. Mais comme vous n'avez pas les tableaux de bord, vous ne voyez pas. Donc c'est impossible que vous puissiez bien avancer. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'accidents. Voilà pourquoi il y a beaucoup de malheurs. Beaucoup d'enfants sont en train de pleurer. Ils prient, l'instruction ne change pas. Parce que quelque part, dans le domaine des rêves, il y a un ça ne va pas. Donc il faudrait beaucoup prier pour que le Seigneur puisse vous ouvrir les yeux spirituels, hein, pour que vous puissiez retenir vos rêves. Parce que, en retenant les rêves, vous saurez également comment marcher dans la vie. Hein, parce que vous avez déjà, vous avez une idée, en fait, de ce qui vous attend. Je vais vous donner un exemple de la Bible. Hein. Le père de physique de notre Seigneur Jésus-Christ, Joseph. Quand Jésus-Christ était enfant, il va voir dans les rêves. Dieu va lui parler, va lui dire, prends l'enfant, fouille en Égypte. Hérode est en train de chercher à tuer l'enfant. Heureusement que Joseph avait retenu les rêves. Le matin, il a compris les messages et il a fui avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc la vie de notre Seigneur Jésus-Christ a été épargnée à cause des rêves. Oui. Imaginez que s'il n'avait pas retenu les rêves, notre Seigneur Jésus-Christ serait mort comme ça. Donc dans les rêves, il y a des avertissements. Dans les rêves, il y a des messages. Et si vous n'arrivez pas à retenir les messages, c'est vraiment très, très dangereux, madame. Pasteur, il existe combien de types de rêves? Donc, dans les types de rêves, nous avons les rêves divins, qui sont des messages venant du Seigneur. C'est des rêves qui sont, ça peut être des prophéties. Dieu montre les choses qui vont venir. Nous prenons le cas des pharaons qui avaient vu en Égypte cette vache grasse et cette vache maigre. Ça montrait un événement qui allait venir. C'était une prophétie en fait. Donc les rêves divins, ça peut être des prophéties, ça peut être des avertissements. Dieu peut te dire, fais ceci, ne va pas là-bas, ne contacte pas telle personne. Ça peut être aussi dans les rêves divins, l'encouragement. L'apôtre Paul, il naviguait là, il voyageait. Alors, il y avait une tempête terrible. Tout le monde était dans le désespoir. La nuit, Paul va voir un ange lui dire, tous les
les gens qui sont dans les navires, aucun ne va mourir. Tous vont vivre. Et vous allez arriver jusqu'à l'île qu'on appelle Malte. C'était quelque chose qui avait donné de l'espoir à l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul, ayant vu la vision la nuit, a commencé à encourager les autres. Donc il y a aussi un encouragement au travers les rêves venant de Dieu. Une autre catégorie de rêves, c'est les rêves sataniques. Les rêves venant de l'ennemi Satan. La Bible dit, pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu s'aimer livré. Les rêves sataniques, c'est livré que l'ennemi sème pendant que nous dormons. Ça peut être des attaques. La nuit, on vous frappe, on vous arrête, vous êtes en train de faire des rapports sexuels la nuit. Vous êtes en train de manger. Donc, c'est des choses que l'ennemi utilise pour t'attaquer, pour t'affaiblir, pour détruire ta destinée. Nous avons reçu beaucoup de cas de gens qui ont eu des attaques de l'ennemi Satan au travers les rêves. Donc, vous avez les rêves sataniques. Les autres rêves, c'est les rêves psychologiques. Nous appelons ça psychologie parce qu'elle vient de l'homme. Vous savez, on dit toujours que celui qui dort affamé est en train de dîner. Quand vous dormez affamé, c'est normal que vous puissiez rêver que vous êtes en train de manger. Il y a certains rêves qui viennent des préoccupations de l'homme, de la multitude de pensées. Par exemple, vous êtes là, vous pensez à l'argent et vous rêvez la nuit. Donner l'argent. Ouais. Donc, les rêves qui viennent des préoccupations de l'homme. Ça peut être l'excès de travail, ça peut être un souci comme ça, et ainsi de suite. Donc, nous avons trois catégories de rêves. Et c'est quoi les rêves de mort? Oui. Parce que vous n'en avez pas parlé. Ouais, les rêves de mort sont un autre type de rêves, qui sont en fait des rêves sataniques, qui sont en fait des attaques de l'ennemi Satan. Les rêves de mort, c'est quand dans votre rêve apparaît quelqu'un qui est décédé. Quelqu'un qui n'est plus vivant. Vous le voyez dans les rêves. Ça peut être votre mère. Ça peut être votre mère. Ça peut être une connaissance. Votre mari. Votre mari qui est décédé. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui est décédé dans votre rêve, ça c'est un rêve de mort. Deuxième chose, quand vous voyez quelque chose en rapport avec la mort, par exemple les cercueils, les cimetières, vous voyez les tombes, où vous êtes en train d'assister aux funérailles. Ça, c'est des rêves en rapport avec la mort. Où vous voyez que le corbillard venir vous prendre. Ça, c'est des rêves en rapport avec la mort. Ou quand vous rêvez que vous êtes en train de décéder. Vous êtes décédé. Où vous êtes décédé. Les gens sont en train de vous pleurer. Ouais. De vous enterrer. Ouais. Les gens sont venus à votre aide. Comme quelqu'un dans l'église, dans notre église. Il s'est vu lui-même dans les cercueils. Il a vu des deuils. Les gens pleuraient. Il s'approche. Il regarde la personne complète. Et il voit que lui-même était dans les cercueils. Ça, c'est les rêves des morts. Quand vous voyez ces genres de rêves des morts, par exemple, hein, qu'est-ce qui peut vous arriver après? Parce que souvent, on dit, quand vous rêvez comme ça, là, c'est comme c'est un esprit des morts qui est en train de vous suivre. Et que peut-être les jours qui vont suivre, les années qui vont venir après, ça va s'accomplir, il faut beaucoup prier. C'est ce que vous nous dites souvent quand oui, c'est vrai, ce que les hommes sont en train de dire, c'est vrai. Quand vous voyez des rêves comme ça, premièrement, vous êtes combattu par l'esprit de mort. Ça peut être vous comme quelqu'un de votre famille aussi. Oui, mais maintenant l'esprit de mort là, ça ne veut pas dire seulement la mort physique. Ça peut être aussi une mort spirituelle, okay. Une mort matérielle, une mort financière. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'église, mais qui sont des morts vivants. La personne vit, mais tout dans sa vie est mort. Ces rêves-là peuvent causer la destruction des bonnes choses. Vous verrez que les bonnes choses sont en train de mourir dans votre vie. Vous entreprenez quelque chose, après c'est dans sa mère. Vous avez des relations, ces relations-là ne vont pas jusqu'au bout. Il y a beaucoup de gens, quand vous entrez en profondeur de leur vie, vous allez constater que les bonnes choses, même par exemple à l'état primaire,
Les bonnes choses, quand ça commence, il y a une force qui vient tuer cela. Et quand vous voyez les rêves, vous trouvez les rêves de mort. Donc, les rêves de mort signifient aussi la sécheresse. Les rêves de mort signifient aussi qu'il y a quelque chose qui est à toi, qu'on a enterré quelque part. Oui. Vous savez, il y a des gens qui sont animés de mauvaise foi, qui peuvent prendre vos bijoux, aller enterrer ça. Quand on enterre vos bijoux, ça veut dire qu'on enterre votre capacité de briller. Une autre personne peut aller enterrer, par exemple, vos habits. Quand on enterre les habits, ouais. Les sous-vêtements, des choses comme ça. Donc, on enterre vraiment votre gloire. Ou on enterre votre capacité à aller loin dans la vie. Vous savez beaucoup déjà pourquoi Madame Mireille n'arrive pas à progresser dans les études. Il y a quelqu'un qui, par exemple, qui peut prendre son stylo. Il va enterrer ça. Là, on enterre votre capacité de poursuivre les études. Oui. D'aller loin dans la vie. Donc, il y a des choses comme ça. Donc, les rêves de mort montrent qu'il y a quelque chose qui est à toi, qu'on a pris et qu'on est allé enterrer. Les rêves de mort aussi montrent aussi qu'il y a quelqu'un qui souhaite ta mort. Vous savez, quand vous êtes toujours en train de rêver les gens décédés, Donc, il y a une personne qui est en train de jeter un mauvais sort pour que tu puisses mourir. Donc, ça veut dire qu'il faut faire très, très attention. Alors, en faisant très, très attention, là, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Il y a beaucoup de choses à faire parce que nous devons voir d'abord les causes. Pourquoi nous avons ces rêves-là? Pourquoi quelqu'un va chaque fois rêver les gens décédés? Pourquoi quelqu'un, chaque fois, il doit voir les gens décédés de sa famille ou de ses connaissances? Alors, quelles sont les causes? Première cause, ça peut être une mauvaise alliance qui est dans la famille. Surtout quand vous voyez les gens décédés de la famille. Ça veut dire que vous tous, vous êtes combattus par un même esprit. Un esprit de destruction, un esprit de mort. Ce n'est pas un hasard que vous voyez les gens décédés de vos familles. Il y en a qui voient souvent leur père. Il y en a qui voient leur mère décédée. J'ai reçu le cas d'un frère. Chaque fois, il avait un rendez-vous important ou une affaire qu'il attendait. Et il voit dans son rêve son père décédé. Et dès qu'il le voit, il fait ses rêves-là. Le lendemain, c'est fini, tout se gâche. Ouais. Là, nous avons constaté que dans la famille, il y avait une mauvaise alliance. Donc, quand dans la famille, il y a une mauvaise alliance et une histoire de sorcellerie, quand vous touchez dans la famille, vous êtes dans la même prison, c'est normal que vous puissiez faire le rêve des gens décédés de votre famille. Une autre cause, c'est assister aux cérémonies en rapport avec la mort. Comme il y a beaucoup de gens. Comme quoi? Par exemple, vous allez au cimetière, vous mangez, vous buvez. Quelqu'un décède, vous êtes en train de parler aux morts. Ah, toi, comme tu es parti, viens nous visiter de temps en temps. Ne nous laisse pas. Oh, la Bible interdit de parler aux morts. Quand dans les dés, vous êtes en train de pleurer, vous êtes en train de dire n'importe quoi. Ah, tu nous as laissé comme ça. Nous, vraiment, c'est fini. Qui va nous aider encore? Qui va nous soutenir encore? Comme vous partez là, ne nous oubliez pas. Ne nous oubliez pas. C'est toujours à nous. Sois notre intercesseur là-bas. Comment un mort peut intercéder pour toi? Alors que pendant qu'il était vivant, il t'a jamais même aidé. Et c'est pourquoi la Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Il y en a par exemple, quelqu'un décède, ils font les 40 jours. C'est nulle part dans la Bible. La Bible dit, porte les deuils. Oui, porter les habits comme ça. Les habits noirs. Les habits noirs. Ce sont des choses qui ouvrent la porte au rêve des morts. Donc, quand vous avez fait des cérémonies comme ça, vous avez mangé à l'occasion des morts, ou vous vous êtes rasé même, les cheveux, les ongles, tout ça, c'est des choses auxquelles nous faisons des pactes avec l'esprit des morts sans le savoir. Alors, y a-t-il des conséquences? Il y a une autre cause encore, c'est le fait de consulter le gens qui utilisent la nécromancie. Vous savez, il y a des faux prophètes. La nécromancie, c'est quoi? Le fait de consulter les esprits des morts. Il y a des gens qui appellent, qui entrent en contact avec les esprits de morts. Oui. On vous fait des cérémonies dans les cimetières. Non, il faut aller dans les cimetières, il faut faire ceci, il faut faire des sacrifices.
C'est des choses qui ouvrent la porte à l'esprit de mort. Le fait de consulter des gens qui font la nécromancie, les faux prophètes qui vous révèlent des choses cachées, c'est vrai. Mais ils utilisent des esprits de mort. Ça peut faire assez que vous puissiez chaque fois rêver les gens qui sont décédés. Le fait aussi pour les femmes. Vous êtes sorti avec un homme qui était possédé par l'esprit de mort. Chaque fois, vous allez commencer à vivre, à rêver les gens qui sont décédés. Et c'est vice-versa. Hein? C'est vice-versa. Un homme ou une femme, oui, ouais. Comme un homme, comme une femme. Mm-hmm. Ah, pourquoi chaque fois je rêve les gens qui sont décédés? Une autre cause, c'est la peur de la mort. Quand, par exemple, il y a des gens, tu les vois comme ça, chaque fois il a peur de la mort. Ah, si j'ai mouru aujourd'hui. Ah, donc la personne est esclave, est retenue par un lien là. La personne a toujours peur de la mort. Ah, dans notre famille, les gens décèdent comme ça. La Bible dit, ce que tu crains, c'est ce qui va t'arriver. Donc, tu vas ouvrir la porte à l'esprit de mort. Et tu vas commencer chaque fois à voir les gens qui sont décédés, venir te prendre, venir ceci et cela. Une autre chose aussi, une autre cause que beaucoup de gens ignorent, par exemple, quand quelqu'un décède, il décède avec ta colère. On dirait, quand quelqu'un décède, il décède avec ta colère. Vous êtes chamaillé. Voilà. Puis, ou tu as pris son argent, tu refuses de payer. Pardon. C'est des choses comme ça qu'il faut, c'est que. Tu veux rester avec sa dette. Voilà. C'est pourquoi dans certaines dettes, vous verrez. On dit toujours, si la personne décédée avait une dette quelque part, venez voir la famille pour qu'on en termine. Et si aussi vous avez la dette de la personne décédée. Oui, venez aussi. Voilà des choses comme ça qui occasionnent les rêves des gens décédés. Comme dit la Bible, hein, il n'y a pas de malédiction sans cause. Donc, tous la fumée que les gens voient, derrière cette fumée-là, il y a un feu quelque part. Il y a une raison quelque part qui fait à ce que vous puissiez voir les gens décédés. Comment remporter la victoire face à ces gens de rêves? Oui, dans la procédure de la délivrance de ces cas de rêve de mort, la première chose qu'il faut savoir, il faut d'abord la repentance. Nous disons ceci, quand il n'y a pas une vraie repentance, l'homme sera exposé aux attaques de l'ennemi Satan et il n'y aura pas de vraie délivrance. Donc la vraie délivrance passe par la repentance. Beaucoup d'entre nous ont fait des cérémonies. D'autres sont allés consulter des féticheurs. D'autres ont parlé aux morts. D'autres, on les a fait des baptêmes dans les cimetières. Nous devons nous repentir de toutes ces pratiques-là qui ont ouvert la porte à l'esprit de mort pour entrer et commencer à nous tourmenter. D'autres ont fait des mauvais pactes avec les gens décédés. D'autres, encore comme je l'ai eu à dire, ont offensé les gens. La personne qui est décédée avec une colère. Tu es parti avec sa dette ou tu as fait des choses qui l'ont offensé. C'est des choses auxquelles tu dois te repentir si tu veux expérimenter la délivrance. Deuxième chose, tu dois t'élever dans les combats spirituels pour briser les alliances cachées, les alliances avec les esprits de mort. Vous savez qu'il y a une alliance qui nous lie. Ça peut être dans la famille, ça peut être avec la personne décédée. C'est cette alliance-là mauvaise qui fait que la personne puisse revenir dans tes rêves et t'attaquer. Donc, dans les combats spirituels, tu dois briser ces mauvaises alliances, ce qu'on appelle les liens d'âme, les liens de famille, les liens de sang. Tu dois briser ça avec les personnes décédées et te séparer au nom de Jésus-Christ. Oui, il faut les briser avec la prière, la repentance, la prière. Il faut également, pasteur, il faut insister, il faut également trouver un homme de Dieu qui est appelé dans la délivrance pour que ta délivrance soit réellement totale. Oui, oui, oui. Parce que Dieu utilise les instruments. Il y a des hommes de Dieu que Dieu a oint pour ce travail-là. Mais il faut trouver un homme de Dieu qui a la grâce de la délivrance pour prier pour toi, pour te conduire dans le processus, afin que tu sois libéré de ces attaques, des rêves de mort. Oui, nous avons parlé, pasteur, de sept phénomènes fréquents dans nos rêves, plutôt. Et c'est un sujet que nous avons tiré d'un ouvrage que vous venez de mettre à la disposition des enfants de Dieu.
Voilà l'ouvrage. Et vous avez parlé des phénomènes des songes, des rêves plutôt. Et cet ouvrage a, si je ne me trompe pas, 108 pages. Oui. Oui. Où est-ce qu'on peut s'en procurer? Jusque-là, l'ouvrage est en vente à notre église, Centre international mondial de transfiguration, qui est à Barumbu, sur la commune de Barumbu, avenue Louvungi numéro 15 bis. Donc, la référence est la station Oil Med, croisement des avenues Kassai et Kabamba. Dès que vous arrivez là-bas, vous demandez avenue Louvungi numéro 15 bis. Vous allez trouver le frère qui est là-bas et il va. Vous allez vous procurer ces livres. Et où est-ce que vous avez eu l'inspiration de mettre tout ceci dans un ouvrage comme cela? C'est le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu nous a inspirés. Vu aussi les cas que nous sommes en train de recevoir par-ci, par-là, des gens qui ont vraiment des problèmes de compréhension de leurs rêves. Parce qu'il y a un autre aussi problème, c'est comprendre maintenant les rêves. Tu peux retenir les rêves, mais tu n'as pas la compréhension de ton rêve. Voilà pourquoi nous avons mis à la disposition du peuple de Dieu l'ouvrage qui est là, pour les aider à comprendre certaines images qu'ils voient dans les rêves. Quand tu as déjà la matière, toi-même tu peux faire face, combattre et remporter la victoire au nom de Jésus-Christ. Merci, amen. Merci beaucoup, pasteur. C'est voilà. Moi qui vous remercie. Merci. Chers enfants de Dieu, nous avons parlé des 7 phénomènes fréquents dans nos rêves et nous avons eu invité pour ces sujets importants le pasteur Paul Richard Pandi, qui est en fait l'auteur de cet ouvrage que nous vous présentons tout à l'heure là. C'est lui l'auteur de cet ouvrage qui va vous aider, vous enfants de Dieu et aussi les serviteurs de Dieu, comment voir, comment comprendre les rêves et comment être délivré à partir de vos rêves. Surtout aujourd'hui, nous avons beaucoup plus parlé des rêves des personnes mortes. Merci à vous, chers enfants de Dieu, qui nous avez suivis avec attention. La rediffusion de cette émission, c'est le mercredi à 7h30. Merci et que Dieu vous bénisse.